Bienvenue sur le tutoriel concernant les animations Lottifiles, une des applications intégrées au Phantom Theme. Pour l'activer, rendez-vous dans Paramètres de Theme, Add-on, et en bas, activez le web player Lotti. Une fois fait, rendez-vous sur le site Lottifiles. Vous pouvez vous créer un compte totalement gratuitement, et par exemple, dans Free Ready to Use, vous avez plusieurs animations d'ores et déjà disponibles. Une fois connecté, vous pouvez descendre, par exemple choisir cette animation, Use Animation In, vous choisissez HTML, vous pouvez choisir plusieurs des paramètres ici, comme par exemple le type de lecture, le sens de lecture, la couleur de l'arrière-plan, la taille, si jamais vous voulez que tout soit rempli, vous pouvez mettre 100% sur Width et Height, qui sont largeur et hauteur, la vitesse d'animation, et par exemple sans les contrôles, autoplay et loop. Copiez ensuite juste cette partie. Ne copiez jamais la première ligne, elle est déjà intégrée au thème, ça ne ferait qu'un doublon. CTRL-C, et en vous rendant ici, à n'importe quel endroit de votre site, ça puisse être dans une description produit, dans une description de collection, dans un article de blog, ou comme là, dans un bloc HTML liquide, vous pouvez coller ceci, et votre bloc apparaîtra. Pour vous montrer ceci sur une page produit, dans votre description, vous pouvez cliquer sur « Afficher le code HTML » et coller à cet endroit. Bien sûr, si jamais votre description est déjà remplie, choisissez l'endroit idéal parmi le texte pour copier-coller. Revenez ensuite ici, enregistrer, et en faisant un aperçu du produit, certes il n'y a pas de texte dans votre description, mais vous aurez bien votre animation Lottifile qui apparaît. Ce tutoriel est désormais terminé, et à vos animations. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre.